Salut à tous et à toutes, c'est OX de la Team The Toxic Twins. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Heroes. Donc voilà, donc je suis enfin revenu de vacances et je repars demain. Donc voilà, donc je fais une petite vidéo et je suis pas tout seul, je suis avec Gabi du 35. Salut à toi, Gabi. Salut! Bon alors vas-y, je te laisse te présenter un petit peu. Ouais, donc moi c'est Gabi, mon pseudo in-game c'est Gabi du 35, vous pouvez me rajouter si vous voulez. Je suis dans une team, la Black Elite, petite dédicace à eux. Vous m'avez peut-être déjà vu dans plusieurs vidéos, j'ai fait des vidéos avec Arceras déjà, et avec Ifiz. Voilà. D'accord. Anciennement joueur de Battlefield Play for Free. Donc voilà. Battlefield Play for Free, ce que je veux dire, BFH. Donc voilà. Donc aujourd'hui on n'est pas là non plus pour faire un gameplay tout à fait simple comme on voit. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est là pour faire ce test de ce magnifique pistolet qui est Werner Winner Weapon. Voilà, donc c'est pour les nationales et je vais me faire tuer, voilà. J'ai pas fait attention, je vais me faire tuer. Donc voilà, donc ce pistolet qui est le même que en fait le Gehart Huber, machin truc, enfin bref. Celui-là qui a 11 balles, longue portée et cadence de tir lente, donc c'est la même chose, sauf que celui-là est moins cher et son bruit est vraiment agréable. Donc voilà, donc on va faire le test et on va voir les dégâts qu'il peut faire. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'arrive à toucher personne, c'est cool. C'est vraiment génial. Voilà, donc Hop. je fais perdre du 15. Pour l'instant, enfin je fais perdre que 15. Voilà, 18, 19, hop, hop. Et hop, on assiste avec ça. Ah, désolé. Ah putain, Gabi! Ah! Tu m'avais gêné. Tu m'avais gêné, pas grave. Non! Maintenant, ils sont tous contre moi. Donc là, ils jouent plus. Ils jouent vraiment. Ils jouent vraiment Gunner. Et ils jouent aussi. Ils jouent un mec. Oh! Il y a un mec là. Putain, ce bruit, je le trouve vraiment trop stylé, quoi, ce bruit. Et oui, donc voilà aussi, j'ai changé de skin, comme vous pouvez voir. Le skin François le Français, on peut dire. Donc voilà. C'est pas possible, putain, mais n'importe quoi. Bref, donc voilà, donc moi, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, donc je repars demain en vacances. Donc voilà, donc je voulais vous proposer une petite vidéo car ça fait un petit moment que j'avais pas proposé de vidéo et vu que j'ai vu ce magnifique pistolet sortir de sortie. Et donc franchement, je vous le conseille, enfin comme dirait le cher Arcera, si vous avez vu sa vidéo, il vous le conseille et je pense que la plupart du monde vous le conseillera. Petite dédicace à lui, salut Arceras. Donc voilà, donc franchement, pistolet vraiment assez vraiment, vraiment bien. Regardez, il fait perdre du 20, du 11, du 20 encore. Et après, on rajoute une petite balle de snipe qui passe pas, c'est vraiment génial. Ça m'énerve, mes balles de snipe elles passent même pas quoi. Hop, hop, un petit Tu me sers? headshot. Petit headshot. Donc voilà, donc après, que dire de plus sur ce pistolet? Franchement, vraiment, Oh. vraiment stylé. Après, ils nous ont sorti aussi des. La toga là, qui est vraiment moche, enfin c'est pour le trip quoi, c'est vraiment pour le trip. On en discutait avec Arcera, c'est vrai que c'est vraiment pour le trip. Il y a un mec qui a FK, ben voilà, vous avez pu voir la puissance de ce pistolet. Donc voilà, franchement, non mais franchement je vous le conseille vraiment 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 bien. Hop là, Ouais, petit headshot. il a l'air pas mal. Ouais, il est vraiment intéressant. Et puis moi, ce qui me fait vraiment tripper, c'est ce petit bruit de ça fait vraiment silencieux. Et puis je trouve que, je sais pas, il va bien avec ma tenue, je sais pas, j'aime bien. Enfin voilà. Donc Ouais. franchement, je vous le conseille. Et donc là, on est en train de faire une petite partie bien sympatoche. Je fais du 4-2, je fais donc une plus grosse partie. Je me suis fait trouver par un gunner et je vais mourir et voilà, je suis mort. Génial! Je suis dernier de la partie, je suis super. En fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, j'essaye de faire le maximum de dégâts avec le pistolet parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt de tester le pistolet sans jouer avec. Tu es d'accord avec moi, je pense, Gabi? Oui, bah oui, évidemment. Et ouais, je voulais faire de la pub, Ah oui, je me permets. vas-y. Donc, pour un youtubeur qui fait vraiment du bon boulot, c'est Dark Shark Pro. Si vous pouvez mettre le lien de Oui, pas de sa problème. chaîne dans la description. Il fait partie de ma team, la Black Elite, et il est vraiment sympa. Du coup, je voulais lui faire de la pub. Comme il est sympa avec moi, voilà. D'accord, ok, ça marche. Mais écoute, je mettrai le lien de sa chaîne dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, donc après, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors franchement, on est vraiment content du résultat. On est arrivé maintenant à 81 abonnés, voilà. Nous sommes actuellement à 81 abonnés. Nous étions à 71 au moment où on a fait la dernière vidéo.
Donc vraiment hyper content, là on espérait vraiment pas autant et bien sûr pour les 100 abonnés, on vous l'a dit, on vous réserve quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, donc bah, écoutez, sur ce on a testé ce pistolet qui n'a pas de recul, normal sur un pistolet, aucun pistolet n'a recul pour l'instant, j'en ai pas vu. Donc voilà, donc franchement, sur ce... De quoi, vas-y, dis Gabi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. D'accord, ok. Donc voilà, donc j'ai pas fait un score énorme, j'ai fait 957 et 5, j'ai tué 5 fois et 4 fois, enfin j'ai essayé de faire le maximum de score au pistolet. Et aussi, comme vous pouvez voir, je suis niveau 25, je suis passé niveau 25 hier et tout, et je suis assez content et j'ai bien entamé ma barre. Donc voilà. Bravo! Donc... Bravo! Merci. Donc voilà, donc sur ce, mais, chers abonnés, à bientôt et à la prochaine. J'espère que ce petit test vous aura plu. Donc voilà, donc à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et à aimer cette vidéo, ça prend pas de temps et vous êtes de plus en plus. Sur ce, ciao, à la prochaine. Salut!